Et c'est parti, bienvenue dans la Cubitime, nouvelle vidéo. On reprend là où on était sur Zombie Army 4 et c'est la dernière vidéo concernant le premier monde en fait, qui est donc Milan. On va finir ensemble ce chapitre là. Et donc on reprend là où je m'étais arrêté, donc il y a eu une petite vague zombie. Les quais sont écroulés. Alors, je sais pas si ça change quelque chose dans le scénario, mais ce qui est sûr c'est que voilà, on a besoin d'avancer encore tous ensemble. Donc voilà, on perd pas de temps, on retourne directement dans le feu de l'action. Alors là, bon, l'avantage c'est qu'il va falloir un petit peu se refaire donc les grenades à fragmentation. Là c'est coincé, barricadé. Allez, on va s'amuser à tirer le levier. D'abord, on va peut-être se choper quelques... Hey, encore un petit truc collector qui va bien. Donc, le levier, si on active ce fameux levier, comme le dit le monsieur qui nous parle, logiquement, on devrait se débrouiller d'avoir un événement qui se déclenche. Voilà, le train qui déboule. Et le fameux zombie que je vous promettais, bien sûr, mais évidemment j'avais vu passer ça, c'est le zombie lance-flamme qui a pas l'air ultra cool. Et il a l'air plutôt grand. Évidemment, à mon avis, on lui tire dans son sac à dos là, plein d'explosifs. Mais attends, je vais passer par là. Oh, la mauvaise idée. L'idée pourrie. Alors, surtout ne pas faire. Ne pas rester dos à un monsieur. Qui est énervé avec un lance-flamme. Voilà, ça c'est cadeau, c'est pour vous les mecs. En même temps, il y avait aucun zombie. J'ai même pas fait un kill, c'était complètement gâché. Oh là là, c'est parti pour que je vise pas ultra bien non plus. Ouh, il m'a relancé de la flamme. Allez, tiens, petite balle de carabine là. Tant que je suis à portée, mais assez loin. Putain, je l'ai raté. Comme ça, allez, dans ton sac à dos. Ah, il recule un peu, ça me fait gagner un poil de temps. Il est au sol. Il est au sol, super, j'ai encore perdu du temps. Donc, je te fume. Oh là là, oh là là, oh là là, on se casse. Les mecs sur le toit. Hop. Quand tu trébuches, c'est cool. Bon, par contre, il y a beaucoup d'éléments pour pouvoir se cacher. Oh putain, il court! Oh la vache, il court vite lui. Oh. Il fait mal. Ah ouais, il fait carrément flipper. Je ne peux pas rentrer dans la base, bien sûr, pour me planquer dans le petit cafuccio qu'il y avait juste avant. Oh, regarde comme ça, comme il cavale. Ah, il y a deux flammes dessus. Ça veut peut-être dire que ça va. J'ai plus beaucoup de balles, donc j'ai plus que la carabine. Il y a les zombies de merde qui m'attaquent. Je perds de la santé là. On est fumé les mecs là. Ouais, on est quand même encerclé hein. Boum. Regarde-le, il est au sol. Je vois pas ce qu'il fait là-bas. Va falloir m'attraquer un peu à l'ancienne. Hein. Putain, il craint rien. Si l'explosion, ça le fait ralentir. Bon, ma recherche, ça dure 2000 ans. Il se cache, qu'est-ce qu'il fait là? Ah ouais, la tête plus le mec derrière, ça c'est bien joué. Allez, encore, on va y arriver. Cliner un peu tout ça. Oh, les grenades, c'est vraiment la vie. Hein. Espérons que ce soit la fin de sa vie à lui. Petite trousse de soins, ça fait pas de mal. Je vais être à portée, faut qu'il crève maintenant, sinon je suis mort. Oh yeah, c'est fait. Honnêtement, j'y croyais pas trop. Je vais les finir au petit flingue. Bon, bah ça c'est fait. Sur le boss,
assez flippant, pas très impressionnant parce qu'au final bon c'est pas non plus c'est pas un sac à PV quoi, mais disons qu'il était quand même assez rapide. Et j'avais pas énormément de place pour me protéger. Encore du cadavre au sol. La musique est pas finie, c'est bizarre, on dirait que à tout moment il peut débouler un nouveau mec. Par contre, eux, ils ont pas fini de tomber du toit. Espérons qu'il n'y ait pas des mecs suicides, en fait c'est peut-être ça, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas des gars suicidaires qui seront là? Oh, j'avais ça depuis le début à côté de moi, n'importe quoi. Munitions pistolet et munitions fusil. En même temps, j'aurais pas pu gérer avec ma mitraillette. Allez, je me casse au milieu. Yes. Tiens, petit croche-patte, c'est cadeau pour toi, mon petit. Bon, va falloir faire du clean. Là-bas, il y a des mecs dedans, tiens. C'est un vieux bon, ça. 4 frags, 5. Il y en a plein. Ah ouais, non, mais clairement, le boss est vraiment accompagné de pas mal de mecs. D'abord, on va y aller à l'ancienne. Petit flingue. On va faire ce qu'il faut. C'est quoi, je vais me poser là. Regarde ça, on va passer sur le côté tranquillement. Putain, mais il y a au moins 20 zombies. Compliqué là, va falloir que je les défonce. J'ai encore de la grenade que je viens de ramasser. Grenade incendiaire, alors ça, ça fout le feu au mec. Très pratique. Ouais, c'est pratique, mais ils sont pas tous morts. Hein. Allez, du frag, 16 mecs morts. Bon, on devrait être sur la fin là. Ah ouais, non, pas du tout. Vu du balcon là, comme ça. Il y a un mec derrière, mais il veut pas sortir. Ça, c'est des vieux bugs de jeu, à mon avis. Tiens, ça, c'est cadeau, toi aussi. Aussi, boum, allez dans les escaliers, je distribue les balles. Il me reste deux chargeurs plus celui-là. Ouais, bon, on va se faire plaisir là. Ouais, voilà. Faut quand même lui accorder un truc à ce jeu, c'est que c'est quand même assez jouissif de bourriner à ce point dans du zombie. Quoi. C'est vraiment très rigolo. Un petit survivant. Bon, apparemment. Oh, putain, il y en a encore là-haut. Oh, suicide. Un mec en mode suicide. Je l'ai vu, je sais qu'il est derrière moi. Il faut que je me fasse une petite frappe. Oh non, je l'ai raté. Concentration. Et voilà, ça c'est fait. Alors ça pareil, ça c'est pas mal comme proposition de mode de jeu, enfin d'option de jeu on va dire. Vous pouvez concentrer votre... vider vos poumons quoi en fait, et concentrer votre souffle pour faire un tir ultra stylé. Et bim, on termine la mission. Ouais, en gros, les zombies ils n'allaient peut-être pas s'arrêter de débouler. Ouh, il y a un mec pas sympa de dos. Quel teasing pour la suite, c'est bon ça. Mission terminée, donc on a le droit devant, qui est donc le la troisième mission sur 3 de Milan. The End of the Line, donc c'était nommé comme ça, je crois. Bah, écoutez, c'était un plaisir d'aller au bout de tout ça avec vous. On va enchaîner sur le Death Canal. Les canaux de la mort qui se passent en fait à Venise, c'est le prochain monde qu'on va explorer ensemble. Je vous dis à très vite sur la chaîne, n'hésitez pas à liker, commenter un petit peu pour savoir ce que vous pensez de ce jeu, est-ce que vous l'avez, est-ce que vous avez réussi à cramer du zombie aussi, est-ce que vous avez un record de frag, plein de choses, moi ça nous intéresse. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, de Milan, on va continuer avec Venise. Et donc on va péter de la cervelle dans les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Restez sur la chaîne, amusez-vous bien avec tous vos jeux. Et à très vite, salut.